C'est dans la Cité des Images à Épinal que nous posons notre caméra cette semaine. Depuis 2 ans, le restaurant In Extremis fait parler de lui grâce à sa carte, son chef et ses recettes gourmandes et subtiles. Originaire des Vosges, Nicolas Grand-Claude a fait ses armes sur les bancs de l'école hôtelière de Contrexéville avant de partir aux quatre coins de la France et en Suisse. Curieux et passionné, il va apprendre des autres chefs, des producteurs et des rencontres qu'il fait. Il passe quelques années en Isère et décide de revenir ici à Épinal pour ouvrir son restaurant. Nous sommes en mars 2016, une maison à son image, authentique, atypique et sans chichi. Pour Afedou, Nicolas nous invite à réaliser un tartare de quasi de veau en entrée. Pour le plat, il a décidé de partir sur un riz d'agneau qu'il associe à des coquillages. Et en dessert, ça sera un muesli au thé matcha et des fraises mascarpone. On le rejoint immédiatement. Donc Nicolas, on a du quasi de veau, qu'est-ce qu'on va faire en entrée avec ça? Alors aujourd'hui, on va préparer en entrée donc un quasi de veau version tartare. D'accord. Condiments, fruits de la passion, café et vieux comté. Super. Donc on commence par quoi? Dis-moi. Eh ben, on va commencer par travailler... S'occuper de la viande? Exactement. Donc là, on a un quasi de veau... C'est quelle pièce le quasi? Enfin, alors, ça se trouve où? Alors ça, c'est la croupe du veau, c'est le haut des fesses. D'accord. Voilà, c'est une partie okay. noble. Oui. Donc là, c'est un veau qui a été abattu à peu près à 8 mois. Voilà. Donc là, on l'a déjà paré ouais, au préalable. Ouais, t'as enlevé voilà. ce Et là, on va le tailler donc en tartare. Bah, je te laisse faire. Donc on va commencer à faire des fines. Donc c'est une pièce de viande qui se prête très très bien à justement au tartare et à le déguster cru. Voilà, exactement. Mm. C'est une pièce qui est noble. Qui est très tendre. Voilà, même sans l'assaisonner, on peut le déguster, quoi. Mmh. C'est vraiment du beurre quoi, comme viande. Oui, parce que dans un tartare, le choix de la viande, c'est primordial. Oui, que ça soit vraiment super tendre. Donc après, on le taille vraiment en petits dés, tu vas le tailler. En petits dés, tout au couteau. On n'utilise pas de mixeur, hein, parce que sinon, ça broie, ça casse les fibres. Ouais. Et le vrai tartare, c'est ça. C'est voilà. Un tartare, de toute façon, ça doit être fait au couteau. Exactement, oui. Mmh. Donc, coupé. C'est une recette que tu aimes, justement, le tartare? Bah, disons que de saison, là, faire des plats chauds et tout, donc là, on a quelque chose de frais. Mmh. On va jouer sur l'acidulé, avec l'assaisonnement qui va être assez original. Donc, c'est vraiment un produit de saison pour les beaux jours, quoi. Mmh. Est-ce que c'est une recette que je peux faire avec d'autres types de viande? Si vous préférez le bœuf, on peut utiliser du bœuf. D'accord. Après, on peut partir, ça peut être sur de la volaille, ça peut être original. D'accord, aussi, ouais. Du canard. Mmh. Après, c'est selon ses goûts. Mmh. Moi, on peut l'adapter de toute façon. Voilà. Mais tu trouves? Je trouve que le veau se prête bien. Là, c'est un veau qui a été élevé sous la mer, qui est d'une couleur super claire. Bon, pour cette recette, pour mon choix en tout cas, le veau se prête vraiment bien pour cette recette. D'ailleurs, quand tu imagines une recette, par exemple, voilà, comme là, ce tartare, tu le fais combien de fois? Enfin, c'est tout de suite, tu arrives à voir juste tout de suite ou non, il te faut quand même de temps en temps l'imaginer, la penser, puis après quelques temps pour rajouter des petites choses ici et là. Mais j'ai la chance, je pense que, je ne sais pas si c'est un don ou quoi, mais d'avoir des accords dans ma tête qui fonctionnent et qui font tilt tout de suite. Quoi. Donc c'est vrai que bon, je vais quand même faire des essais pour valider si ça match. Mais en principe, ça fonctionne. D'accord. Tu arrives, dans ta tête à imaginer des mariages de saveurs et des associations qui fonctionnent. C'est ça. Je marque ce que je fais sur un papier. Et quand je crée une carte, je marque des éléments. Après, j'entoure les éléments qui vont aller ensemble. Et ça, le plat, il se crée comme ça, tout seul. Donc là, c'est bon, on a terminé. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dis-moi. On va préparer l'assaisonnement. Donc, on va y aller dans l'ordre. On va prendre une cuillère. Oui. Donc, la première chose qu'on va mettre, donc, c'est les fruits de la passion. D'accord. Donc, on a ouvert. Voilà, donc on a vraiment le. T'en as combien là? Le fruit. Là, il y a à peu près 4 fruits de la passion. D'accord. Donc, tu mets ça dedans. Voilà. D'accord. Sachant que dans un tartare, le plus important, c'est l'assaisonnement, puisque la viande en soi, elle n'est pas. Enfin, c'est quelque chose d'assez. Neutre. Ouais. Voilà. Donc, une fois que le fruit de la passion est mis, donc on va mettre un peu de café. Et tu vas vraiment mettre du café? Oui. Je pensais que tu me faisais une blague. Non, c'est pas une blague. Ça va apporter de l'amertume au plat. Donc, voilà. D'accord. Mais ça se fait souvent. Je sais que c'est la première fois que je le fais. Je n'ai jamais mis du café dans une préparation. Je ne sais pas si ça se fait souvent. En tout cas, ça se fait ici. D'accord. OK. Et ensuite, après, on repart sur des choses un peu plus classiques. D'accord. Donc, échalotes ciselées. Mm-hmm.
D'accord. Un peu de... De persil. De persil. Mmh. Donc voilà tout ce qui est herbe. Ensuite, ciboulette. Voilà. Mmh. Et après, on a fait des noisettes torréfiées. Donc mmh. on va en mettre ce qui va apporter le... La mâche, le croquant. Le croquant au plat. Mmh. Voilà. Et c'est tout. Et enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. Après, on va rajouter le sel. Mmh. Et le poivre. Oui. Mais donc, ça, c'est pareil. L'assaisonnement, les noisettes, tout ça, ça c'est, voilà, c'est ta préparation à toi. Oui, après, on peut mettre du sésame à la place, on peut mettre des pignons de pain. D'accord. Après, c'est à la guise de chacun, ce qu'on a dans les fonds de tiroir. Ouais. Chacun peut adapter la recette avec ce qu'il aime et ce qu'il apprécie. Et puis, je rajoute de l'huile de noisette, vu qu'on joue sur la noisette, avec la noisette, le croquant de la noisette. Donc, on va rajouter de l'huile de noisette au plat. D'accord. Voilà. Et ensuite, ben on va mélanger le tout. Et après, le tartare sera assaisonné. Voilà. D'accord. Ah, super. Et tu me parlais aussi de fromage tout à l'heure. Donc, il va venir comment, en fait, dans ton dressage? Alors, on va dresser donc le tartare. Mmh. Et sur ce tartare-là, on va rajouter une tranche de vieux comté. Donc, c'est un comté qui est maturé entre 12 et 16 mois, celui-ci. Et puis, on va le flasher au chalumeau. Donc, il va fondre. Voilà. Il va fondre légèrement sur la D'accord. viande. Donc ça va apporter encore une nouvelle texture et puis un goût supplémentaire. Une petite touche, je dirais, un peu gourmandise à ton tartare. Voilà. Mm. Donc là, c'est bon, finalement, on a terminé. Parce qu'après, on n'a plus qu'à dresser, voilà. Mettre la petite tranche de fromage, flamber, c'est bon. Et c'est parti. Cause tarandar shinawan tinere sastana pam dikti foot me diwa let us in the lada shakwa ina yan warani singay tisana tabar cause tarandar shinawan On y va, on goûte. En tout cas, c'est très estival, c'est très beau. De saison. Ouais. C'est surprenant, en fait. Je consomme pas habituellement déjà du tartare, mais je trouve que voilà, on est dans quelque chose qui sort des sentiers battus pour l'assaisonnement. Parfait équilibre de tout. Et puis c'est sympa d'avoir le croquant, le croustillant. Si tu tombes effectivement sur un petit morceau fruit de la passion, c'est éclate en bouche. C'est ça, t'as autre chose. Donc et c'est super frais de saison, top. On est dans la finesse, un plat c'est qui est très léger, quoi. Après, même puis les la viande. Voilà, c'est très tendre. Ouais, excellent. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Alors le plat, je suis parti sur des riz d'agneau. D'accord. Donc des abats, accompagnés de coquillages, ail des ours et jeunes carottes printanières. Ça marche.